Alors, entre Catherine et Sou, Sinabou, voilà, on a des projets au Sénégal de développement. On y est allé déjà une fois et c'est un pays formidable qui veut vraiment, parce qu'on oublie trop souvent l'Afrique et on ne veut pas la laisser aux Chinois, hein, parce qu'ils achètent des terres, ils mettent du productivisme, ils vont détruire avec l'agriculture intensive et nous on a des beaux projets. Tout à fait, bonjour à tous et à toutes. Alors je suis très heureuse d'être là, c'est ma première fois et ma première rencontre avec Raphaël a été juste illuminante pour moi. Raphaël est plein de lumière et il m'a convaincue qu'il fallait ensemble développer des projets au Sénégal dans le sens de soutenir la biodiversité. Voilà, donc on a un grand terrain dans une île magnifique au Sénégal et le concept commence. J'invite tous ceux qui sont intéressés aussi à te rejoindre pour développer quelque chose d'unique là-bas qui serve aux populations d'abord et qui puisse être beau à regarder pour ceux qui veulent bien venir nous voir là-bas en Casamance. Merci. Oui, et la ressource ne manque pas puisque le peu de temps qu'on a passé, on a vu tout de suite entre le riz, les déchets de riz, où on peut faire des choses formidables, anti-cholestérol, les abeilles qui butinent des palétuviers qui ont les pieds dans l'eau de mer, donc il y a l'échelle de Mendeleïev, les 105 olives, enfin bon, tout de suite on a vu des choses, il y a plein de choses à faire, qui coûteront pas grand-chose et qui vont rapporter gros. Voilà, pour les populations. Alors,